Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et cette vidéo sera donc un partenariat. Donc j'ai été contactée par la boutique Globland. Donc c'est la deuxième fois qu'ils me contactent. Donc j'ai choisi quatre articles. Il me semble que c'est ça que j'ai choisi. Je suis désolée par avance pour le son de ma voix. Je sors tout simplement d'une grippe et donc du coup j'ai encore un peu la voix enrouée. Donc j'ai déjà ouvert donc le colis, tout était à l'intérieur. Donc tout était mis dans une petite pochette comme ceci à bulles. Et donc à l'intérieur on a pas mal de petites choses. Alors, ce que j'ai pas compris, c'est qu'il y a des choses que j'ai reçues en double, voire en quatre fois. Donc là, j'ai bien mes quatre articles. Et voilà, ce que je comprends pas, c'est que là, ils disent qu'il y a quatre pièces, deux pièces, deux pièces, deux pièces. Bon. Donc, toutes les références des produits, vous allez les retrouver donc ici. Bien évidemment, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc dans un premier temps, j'ai choisi donc un dies comme ceci, donc avec cette référence là. Au niveau des prix, je vous les rajouterai donc ici. Et ce que je comprends pas, c'est que ben ce dies, c'est le même et je l'ai en deux fois. Donc je comprends pas. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'ils veulent que je vous fasse gagner sur ma chaîne? Je sais pas. Si c'est le cas, ben, je ferai une autre vidéo par rapport à ça. Mais en tout cas, ben, nous, on va en garder un seul, hein, parce que l'autre va pas me servir. Donc je sais pas encore ce que je vais en faire. Est-ce que eux, ils veulent faire un concours pour leur boutique ou bien... Est-ce que ça a été envoyé par erreur? Je ne sais pas. Donc, je mets ça de côté. Ensuite, j'ai choisi donc un lot de tampons. Et donc, dans ce lot, il y avait 4 tampons. Donc, jusqu'à là, tout va bien. Donc, voilà le premier lot de tampons. Donc, on a celui-ci. Donc je vais reprendre la pochette pour que vous puissiez bien voir. Voilà, on a ceux-ci comme tampons qui sont vraiment très jolis. Bon, bien entendu, ce n'est pas des choses en français. On a également donc celui-ci qui est vraiment très très joli. On a celui-là avec des écritures un peu en italique avec le Happy anniversary, happy birthday, just for you, donc juste pour toi. Thank you so much, congratulations, birthday wish, voilà, plein de petites choses comme ceci. Et on a donc celui-ci, alors là c'est pareil, il va falloir que je traduise, hein, parce que moi l'anglais c'est pas trop mon fort. Mais voilà, donc on a un lot de 4 tampons, sauf que ce que je n'ai pas compris non plus, c'est que tadam, ben, les tampons, j'ai les mêmes encore ici. Donc je sais pas. Est-ce que c'est quelque chose qui m'a été envoyé en double pour que je vous fasse gagner? Comme je vous ai dit, je ne sais pas. J'attends une réponse de leur part. Parce que là, je ne vois pas trop ce que je peux faire avec ce genre de tampon. Donc, ça, on va dire que c'est pour moi. Ça, on va mettre ça de côté. Ensuite, donc, ce que j'ai eu, enfin, ce que j'ai choisi, c'est ceci. Donc, un dies avec le mot love. Donc... Donc le mot love comme ceci. Donc on a un côté lisse et un côté un petit peu avec des symboles. Voilà. Et là, ce que j'ai pas compris, c'est que ben là j'en ai pas deux, mais j'en ai quatre. J'en ai quatre et c'est les quatre mêmes. C'est les quatre mêmes. Donc là,
Je sais pas du tout si c'est vraiment une erreur, mais là je me suis dit ça commence à faire beaucoup. Donc étrange. Donc on en a gardé un pour moi et les trois autres, ben je sais pas ce que j'en ferai. Mais c'est exactement les mêmes. Parce qu'au départ, je me suis dit, oh, il y a peut-être des petits symboles qui doivent changer. Mais non, pas du tout. Si on regarde bien, tous les symboles se ressemblent. Enfin, c'est totalement pareil. Là, je ne sais pas. Donc, hop, ça, on va remettre ça là-dedans. Et là, je crois que c'était le pompon, la cerise sur le gâteau, comme vous voulez. Mais en fait, normalement, il y avait des tampons avec le dies. Sauf que ben, j'ai reçu le dies, mais pas le tampon. Donc là, je ne peux absolument rien faire avec ceci. En tout cas, si vous voulez, la référence, c'est ceci. Et là, c'est le pompon en plus, parce que... Bah, je pourrais même pas vous faire gagner ceci puisque voilà, j'ai les dice, mais je n'ai pas le tampon. En plus, il me semble que alors si je me souviens bien, ce genre de dice correspond à un tampon de chez Stampin' Up, ce qui me paraît bizarre qu'il fasse de la contrefaçon, mais bon, je sais pas. Quoi qu'il en soit, j'ai le dies. Mais j'ai pas le tampon, donc je vois pas trop ce que je peux faire avec. Donc là, ben, je vais les remettre dans la petite pochette et je sais pas du tout ce que je vais en faire. Voilà pour le partenariat de Globland. Donc il y a des choses intéressantes, d'autres un peu moins. Par exemple, ce dies-là. Je vois pas trop ce que je peux en faire. Et puis ben tout le reste que j'ai en double, en triple, voire plus, je sais pas du tout ce que je dois faire. Est-ce que je vous les fais gagner? Est-ce que ça a été envoyé par erreur? Mais du coup, ben moi je sais pas par qui je dois les renvoyer. Est-ce que je peux les donner? C'est rien du tout. Donc, à voir. Mais en tout cas, je vais essayer de faire quand même des petites créations avec ce que j'ai là. Voilà. Donc, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu. Et puis, bah, guettez les prochaines vidéos. Peut-être qu'il y aura un concours à gagner sur des prochains... sur une prochaine vidéo. Voilà. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu. Et puis, bah, moi, je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Bye bye.